Good morning, allez, Idan, ce sera aujourd'hui le Neshmat Avraham de Rabbeinu Yitzhak ben Fanny Dvorah bat Esther et Charlie Shalom bat Germaine Sarah. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechati Vamot Perek Yud Gimel Mishnah Vavam Garesh et Isha ve Echezira Muteret le Yavam Rabbi le Zerosser Vechen a Megaresh et a Yitoma Vechezira Muteret le Yavam Rabbi Eliezer Oser Tana she'esia avia, venit garancha, keyetoma bechaye ha'av. Et chazira dira kol asura le yavam. Mishnah, simple, mais compliqué à présenter en fait, parce qu'en fait il faudrait commencer par la fin pour tout comprendre. On parle dans notre chapitre des kilushin miderabanan, des kilushin ktana. D'abord, je vais un petit peu compléter la scène, le cas, la lachot des kilushin ktana, parce qu'il y a un cas que je ne vous ai jamais parlé en fait. Jusqu'à maintenant, on a parlé que, mina Torah, je peux me marier avec une petite fille si elle a un papa. Je donne l'argent à son père, il est, lui, propriétaire de sa fille pour la marier avec qui il veut. Si je la me marie avec elle, ça devient ma vraie femme. Si jamais elle veut, elle en a, on doit se séparer, je devrais nécessairement lui donner un guet, comme n'importe quel mari qui doit donner un guet à sa femme. Ok. Ça, c'est quand elle est mariée, mina Torah. Dans Midera Banane, il y a un cas particulier, c'est lorsqu'une fille elle a plus de père. Alors en théorie, son unique moyen de se marier, c'est d'attendre qu'elle aura 12 ans, qu'elle va devenir une jeune fille. Et que dans ce cas-là, elle deviendra donc jeune fille, elle pourra ensuite décider de son propre gré, est-ce qu'elle se marie ou pas. Chachamim sont venus et ont instauré qu'on peut marier une petite fille avec son consentement, en donnant peut-être l'argent à son frère, à ses frères, à sa mère, c'est pour la protection de la fille, tout simplement. D'accord? Pour la protection de la fille, qu'on n'abuse pas d'elle, qu'elle soit entre les mains d'un mari, plutôt que qu'elle soit une petite fille frivole. Alors, il n'y a personne qui va venir casser les dents de celui qui va essayer d'approcher sa fille. Un père, il sait se défendre pour sa fille. Une mère, elle est faible. Les frères, ils ne sont pas toujours présents dans la maison. Vous imaginez la scène. Et entre parenthèses, psychologiquement, ça a toujours existé, les abus des enfants. C'est très fréquent dans la Gemara, donc c'est des choses qui existaient. C'est-à-dire, on a tendance à voir que... Ouais. C'est important de protéger les enfants, il n'y a pas de faire confiance ou pas confiance. Il y a toujours des... Je referme la parenthèse, et puis maintenant on revient sur notre sujet. Donc on a parlé pour le moment d'une fille que je marie minatora parce qu'elle a un père, ou une fille qui a plus de père, et dans ce cas-là je peux la marier midrabanan. En réalité, il y a même une fille qui a un père que je peux me marier avec elle midrabanan. Vous savez c'est quand? Si je me marie avec une fille, en donnant la kedushin à son père, après je la divorce, le père il a un droit de marier sa fille une seule fois, pas deux. Dès que je me suis marié avec elle, elle est sortie de la propriété du père. Si je la divorce, c'est une petite fille qui vole de ses propres ailes. Elle n'est plus sous la tutelle de son père ne peut plus la marier. Chachamim m'ont dit même cette fille-là aussi, il faut quand même instaurer des kiddushin midrabanan. Je pourrais la remarier midrabanan. Ok, pour le moment tout va bien. Regardez maintenant la complexité qu'il va y avoir. Je vous présente tout de suite le cas, c'est le dernier cas de la Mishnah, où justement tout le monde est d'accord qu'il faut interdire, et de là, toute la Mishnah elle va se construire ensuite à l'envers. Lorsqu'on a deux frères, Réhouven et Shimon, lorsque Réhouven meurt, Shimon doit faire la mitzvah, et qu'il n'avait pas d'enfant, Shimon doit faire la mitzvah de Yiboum avec sa soeur, avec sa femme, la femme de Réhouven, Shimon doit la prendre, c'est Yevamot, vous connaissez ça par cœur maintenant, la mitzvah de Yiboum. Regardez maintenant un cas un peu complexe. Imaginez que, alors, peut-être que d'abord je projette dans une scène plus simple. Je suis marié avec une femme qui n'a pas d'enfant, d'accord? Rachel, et après je divorce Rachel. Après je me remarie avec Rachel. Alors, puisque mes kiddushin ils ont marché Midoraita, si finalement après le mari meurt sans laisser de progéniture, le frère il devra prendre sa femme. Même si elle a passé un moment où elle était groucha, et au moment où elle est devenue groucha, le frère il ne peut strictement pas se marier avec elle, parce que là c'est un cas d'inceste très grave de prendre la divorcée de son frère. Mais si le frère il va reprendre sa propre femme, après ça redevient sa femme, quand finalement il va décéder, son frère pourra prendre sa femme pour faire la mitzvah de Yiboum. Pour le moment c'est clair. Et c'était une mishnah d'ailleurs dans le Perek qui dit Mel. Il y a maintenant, regardez le cas particulier. Imaginez je me marie maintenant avec une fille, Midoraita, parce que je veux voir son père, je lui donne des kiddushin. Je me marie avec elle quand elle avait 6 ans. Elle est mariée Minatora. Quand elle a 8 ans, je ne veux plus rester mariée avec elle, je lui donne un guet. Après...
un an, 2 ans. Je regrette et je me dis, oh, tu sais quoi, il faut que je me remarie avec elle. Je préfère, j'étais bien avec elle. Après, quand elle a 10 ans, je me remarie avec elle. Elle redevient ma femme. Mais là, elle redevient ma femme que Midérabanan. Imaginez maintenant que ce mari-là, il va mourir sans laisser de progéniture. Est-ce que son frère, il devra faire le Yiboum? Et là, c'est strictement pas. Parce que, du point de vue de la Torah, cette petite fille-là, elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, ça a divorcé son frère. Il n'est pas question qu'il ait un rapport avec sa belle-sœur, qu'il a divorcé. Midérabanan, elle s'est remariée. Mais Midoraita ne s'est pas remariée. Vous avez compris la scène où je reprends. On a un Réhouven qui s'est marié avec une fille en donnant des kiddushin à son père. À Rachel. Réhouven, Rachel. Il s'est marié avec Rachel. Quand elle avait 10 ans, après, il a dit, quand elle avait 8 ans, Réhouven lui a donné un guet. Après, à l'âge de 10 ans, Réhouven décide de se remarier avec Rachel. Lorsqu'elle a 11 ans, elle est encore petite, Réhouven décède sans laisser de progéniture. Est-ce que Shimon peut faire la mitzvah de Yiboum avec cette fille-là? Vous allez me dire pourquoi pas? Il a laissé une femme sans enfant. Ben viens là, regardez pas du tout, c'est la catastrophe. Parce que cette femme-là, c'est plus la femme de Réhouven. C'est pas sa femme, du point de vue de la Torah. C'est sa divorcée. Peut-être qu'il faudrait introduire un cas élémentaire, peut-être que vous ne le savez pas. C'est que si à Réhouven, il est marié avec une femme, Rachel, et qu'après il la divorce, et après Réhouven, il meurt, Shimon, il a strictement pas le droit de partir avec Rachel. Pour avoir des enfants, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, si c'était plus sa femme, il a divorcé. Vous êtes d'accord? S'il va avec elle, il va avoir des super mamzerim, meudarim, mamash. Même avec le... D'accord? Elle a des super mamzerim. Pas question de la prendre. Imaginez maintenant que Réhouven, quand il va reprendre sa femme, il reprend sa femme qui n'est plus sa femme Midoraita, que Midrabanan. C'est-à-dire que du point de vue de la Torah, il n'a pas repris sa femme. C'est-à-dire que du point de vue de la Torah, Shimon, lorsqu'il va faire le Yiboum, il va avoir des super mamzerim. Il ne pourra pas la prendre. Ça, c'est le dernier cas de la Mishnah. Suite à ça, Chachamim vont maintenant, décréter, il y a une marloquette sur ça, que justement, alors regardez, Amigaresh et Taïcha, celui qui divorce une femme, d'abord on ne parle pas d'une petite fille, on parle d'une grande fille, une grande femme. Réhouven qui divorce sa femme Rachel, alors qu'elle a 30 ans, elle en a marre, elle a pas d'enfant, et finalement, Echzira, il décide de se remettre avec elle. Lorsque Réhouven meurt, Mouta Tanayavam. Lorsque Réhouven meurt, Shimon pourra la reprendre. Elle est permise au Yavam. Ok. C'est de nouveau, c'est un cas qu'on connaissait déjà, qu'il a le droit de la reprendre. Parce que maintenant, lorsqu'il la reçoit mari, il annule le premier divorce. Ça devient sa femme. Sur ça déjà, Rabbi Eliezer, ça on a Rabbi Eliezer qui interdit. Pourquoi Rabbi Eliezer il interdit en réalité? Rabbi Eliezer il interdit à cause du cas, la fin de la Mishnah, comme ce qu'on va voir, mais qu'on va y arriver. Rabbi Eliezer il a dit, si tu commences à permettre une femme qu'on a divorcée d'une certaine configuration, on va se retrouver dans la situation catastrophique du cas du mari qui a marié la petite fille, qui après l'a divorcée, qui après l'a marié Rabbanan, comme ce qu'on va voir dans la suite. Du coup, Rabbi Eliezer a dit, t'as divorcé ta femme, ton frère ne peut plus la reprendre. D'accord? Yavam, Rabbi Eliezer en sert. De même, autre situation. Autre cas maintenant, on n'est que Midrabanan, Thomas. On parle maintenant d'un cas Midrabanan. A priori, Réhouven est parti se marier avec une Rachel qui avait déjà plus de père. Donc il a fait des kiddushin Midrabanan. Et après, il la divorce. Quand il se marie avec elle à 8, à 6 ans, il la divorce quand elle a 8 ans. Après, quand elle a 10 ans, il décide de se remarier avec elle. Et après, Verzira, et donc il la reprend quand elle a 10 ans, et puis quand elle a 11 ans, Réhouven meurt. Dans ce cas-là, alors de deux choses une. Du point de vue de la Torah, elle n'a jamais été mariée. Du point de vue de Rabbanan, elle a été mariée et reprise. Chachamim me disent, tu sais quoi, Moutat Le'Avam, il a le droit de la reprendre. Elle a le Yavam, elle a le droit de venir là, reprendre, il n'y a aucun problème. C'est comme si c'était sa femme, en fait. Et sur ça, on a de nouveau Rabbi Eliezer Osser, Rabbi Eliezer qui va interdire. Et là, à cause du cas qu'on va voir tout de suite, en fait, que Ktana, une petite fille, chez Sia Avia, que son père l'a mariée. Donc quand elle avait 6 ans, son père l'a mariée avec Réhouven. Mais quand elle avait 8 ans, Benit Garcha, Réhouven l'a divorcée. Donc maintenant, c'est sa divorcée Minatora. Dans ce cas-là, Kayet Thomas Bechayav, elle prend un statut d'orpheline alors qu'elle a un père. Parce que en fait, c'est comme une orpheline que son père, elle est plus. C'est une fille, une petite fille qui est plus sous la tutelle du père. Dans ce cas-là, Rami m'a instauré des Kiddushin et des Rabbanan. Et Chézira, s'il décide de la remarier, d'ivrer à Kol, Asura, la Yavam, si jamais il décide de la reprendre, selon tous les avis, il ne sera pas question de lui faire le hiboum, parce que dans ce cas-là, il y aura une vraie. Elle aura un interdit de Echet Ach. Parce que du point de vue de la Torah, on est resté bloqué depuis le moment où il a divorcé quand elle avait 8 ans.
c'est devenu sa divorcée Minatora. Quand il la reprend, ça ne redevient plus sa femme du point de vue de la Torah. Dans ce cas-là, il n'a pas question de faire le hiboum, d'accord? Et à cause de ça, on a eu Rabbi Eliezer qui a été au serre durant tous les cas de la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous savez.